Le résultat comptable 2019 de l'association s'élève à 2 122 224 euros, excédent lié aux recettes exceptionnelles relatives au lancement de l'Infinity Pass. Il est proposé à l'Assemblée Générale d'affecter cet excédent de la façon suivante. 50% de cet excédent affecté en réserve au titre de 2019, soit 1 061 112 euros. Le solde de 1 061 112 euros est réparti entre 2020 pour 33% et 2021 pour 17%. Cette répartition progressive sur les trois années 2019, 2020, 2021 a pour objectif de stabiliser le revenu de l'association dans l'attente que la contribution financière de l'école atteigne son objectif de 2 millions d'euros par an. Pour rappel, la contribution de l'école a été de 500 000 euros en 2019, 1 million d'euros cette année, et elle sera de 1,5 million en 2021 pour atteindre son plafond de 2 millions d'euros à partir de 2022. Ceci reflétera alors pleinement la cotisation à vie des étudiants des programmes diplômants d'HEC.